Bon, eh bien, on va pouvoir faire le bilan de l'année. Comment je sens que ça va être chiant? Je déteste ce genre de réunion. On viendra à votre cas tout à l'heure. Hein. D'abord, dans les félicitations, elle est où Anouk? Elle est là. Alors bravo Anouk, hein, parce que tu as été, sublime, intelligente, un génie, quoi. Elle parle bien d'Anouk, là? Ouais, on va dire que c'est pas très objectif. Donc Anouk, je t'encourage à aller dans cette voie, et puis t'es certainement une très grande actrice. Alors je remercie tous ceux sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Des parents? Non, mais je voulais dire artistiquement. On va peut-être pas faire une heure sur tes remerciements. Après? Irina, t'as un bonbon là. T'es en train de mâcher. Non, c'est parce que je me suis mordu la lèvre. Bon, ensuite, au tableau des récompenses, Anna. Anna, à moi? T'en connais d'autres? Moi, j'ai combien pour l'année en fait? On va y venir. J'ai été meilleure que Vanina? Bon, c'est pas la même catégorie non plus. Ah, parce que t'étais en concurrence avec moi? Oui, mais je t'ai doublé. Mais c'est trop une gamine. Hein. De toute façon, j'aime personne dans ce groupe, quoi. Enfin, par toi, bien sûr. Clémence, on m'a proposé un truc de mannequinat. Je fais quoi? Du mannequinat? Tu sais qu'il y a plein de formes de mannequinat. Non, parce que si c'est pour du saucisson, c'est pas vraiment du mannequinat, quoi. C'est peut-être du saucisson, hein. Élite. C'est du saucisson, Élite? Non, je crois pas. Non, mais vas-y, va faire tes photos toutes nues, hein. Oh. Dis pas qu'il nous connaît surtout. Hein. Y a pas de risque. Et ils sont gamins, hein. De plus en plus, je trouve. Ou alors, Malouen, je suis très déçue. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien, justement, on aurait dit Lola. On aurait dit? Tu me compares à Malouen? Et la première fois que je vous ai vu, j'ai cru que vous étiez frangine. Oh bah non, il y en a une qui est largement plus belle que l'autre. Mais laquelle? Est-ce qu'on peut arrêter de s'embrouiller 5 minutes dans cet atelier? Alors ça, je suis bien d'accord avec toi, hein. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Bon alors, les deux corbeaux là-haut, ça va. Croc, croc. On est plus dans la grenouille que le corbeau. Hein. Non mais parce que soit je me fais chier avec vous, soit je deviens mannequin. Et bah fais mannequin, arrête de nous saouler. Bah finalement Gladys, j'ai le même problème que toi. Soit je deviens actrice, soit je reste là à me faire chier avec vous. Vous savez que des gens nous regardent dans le monde. Oui mais qui ça hein? Parce que j'en ai jamais vu moi. Bah le petit chiffre, 142 000 abonnés. 142 000? Oui, le K ça veut dire 1000. Je crois que c'est kilo moi. 142 kilos d'abonnés, ça veut rien dire. Mais il y en a vraiment 142 000? Bah oui, tu pensais qu'il y en avait combien? 142? Ça veut dire qu'il y a 142 000 personnes qui m'admirent tous les lundis. Enfin qui t'admirent... Enfin admirer c'est nous, Vaina et moi quoi. Et notre Anouk, parce qu'apparemment je suis très forte. Vous êtes conscient des gens qu'il y avait avant vous? Tu vas me parler de l'autre là, l'anglaise? Comment elle s'appelle déjà? Alice. Qu'est-ce qu'elle était mauvaise? C'est pas pire que l'autre là qui crie tout le temps. Camille. C'est ça votre respect pour vos aînés? Bah c'est vrai que par rapport à cette génération, ils étaient un peu tarés. Hein. T'étais avec nous je crois, non? Oui, mais attention, j'avais pas le même âge. Il est trois là, Charlotte je crois, c'est ça. Fais gaffe parce qu'ils reviennent de temps en temps avec Artoum. Hein. Ils vont réussir à monter les étages? Non mais là ça suffit, pardon. Tu passes là? Oui bon... Vous respectez absolument rien en fait. Anna tu crois que je te vois pas depuis tout à l'heure à bouffer des bonbons là? Et toi, Malouen, t'es dans quel camp? Les vieux, les nouveaux? Hybride. Hybride, n'importe quoi. Bon, Gladys, le mannequinat. Bon, c'est quand même pas de ma faute si les gens me trouvent belle. Hein. Attends, mais la prétention de la meuf? Non, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens. Et toi, t'arrives pas un moment, s'il te plaît? Mais par rapport au mannequinat, c'est pas déconseillé? Non, mais moi, j'ai un corps qui est trop bien fait. Hein. Je peux m'arranger tout ce que tu veux, y'aura rien. Non, mais on s'en fout. Tu comprends ça? On s'en fout. Hein. Lola. J'adore comment tu t'habilles en fait. Mais parce que. Ah, merci. C'est classe, c'est smart. Bon, ok, mais Clémence, tu tiens ton groupe à quelle heure, en fait? Bah, quand je peux, hein, quand ils obéissent et qu'ils bouffent pas. Vas-y, bouffe-le, t'en meurs d'envie. Bah, ça y est. Ah, Lilouen. Ma vieille Lilouen. J'ai encore des dents, hein. Et cet humour? Non, mais c'est pas l'humour, en fait, hein. J'ai des dents. Et même dans la tristesse, elle est drôle. Ouais, enfin, ça va. Étale pas ma vie privée non plus. Parce que vous savez ce qui lui arrive en ce moment? Non. Elle était très amoureuse d'un grand garçon blond surfeur. Ah ouais? Il surfait où? Au lac? Non, un vrai surfeur. Et il est mort, avalé par un requin. On peut parler d'autre chose? Il y a des requins au lac. Non mais y'a rien à laisser tomber. Et pas un mot sur Lola alors que t'as copié sur moi pendant des années. Ma vieille Lola. Vieille? Bah t'as pas vraiment le même destin que Gladys quoi. Toi non plus. Oui. D'accord. Irina. Oui? Alors ça fait quoi de nous connaître? Bah rien de spécial, ça devrait faire quelque chose. Bah oui hein, 142 kg on t'a dit. Enfin, 142 kilos quoi.
En fait, je suis en train de me dire que le niveau intellectuel, il a largement baissé. Eh ben, je suis bien d'accord avec toi. Vous me désespérez. Qui dit encore ça? Bah, moi, je viens de le dire. Mais qui a pris tous les rouges, là? Mais attends, le niveau intellectuel, il a baissé.